Les États-Unis et le Gabon, les relations de coopération bilatérale sont de bonne facture. L'audience du président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et son hôte, le secrétaire d'État adjoint américain Kurt Campbell, est l'occasion d'évoquer le processus de transition en cours dans notre pays, le retour à l'ordre constitutionnel, le dialogue national inclusif ainsi que les opportunités de croissance économique entre les deux États. Nous sommes rencontrés pendant plus de trois heures. Nous avons conversé pendant plus de trois heures et je suis particulièrement optimiste. L'équipe a montré un optimisme et le retour à la démocratie est en bonne voie. J'ai indiqué que les États-Unis sont préparés à travailler main dans la main avec nos collègues ici sur ce chemin. Et nous avons mis sur pied une vision et nous allons bâtir sur des relations, bâtir notre relation sur la base, sur une base solide et l'objectif est le bien-être des populations gabonaises. Le Gabon et les États-Unis d'Amérique sont prêts à consolider et diversifier les liens entre Libreville et Washington. Cette visite, qui se tient au lendemain de la célébration du 248e anniversaire de l'indépendance de cette nation, s'inscrit dans le cadre d'une tournée diplomatique qui conduit l'homme d'État au Ghana, au Gabon, au Sénégal et au Royaume-Uni.